Et si c'est bien moi qui. J'ai fait de la chirurgie, Raz. Je me suis implanté enfin, une grosse paire de couilles, quoi. Et des grosses couilles. Oh là là, alors. J'en étais au cinquième niveau en ultra-violence. Alors, je sais plus comment on joue. Ça va être drôle. Allez, on reprend comme ça. Ouais, l'opération utile. Faut juste que je me rappelle comment on frappe au cac et comment on fait les finishes. C'est un trou de Les mémoire. points d'accès Je pense principaux que les de la 5 premières tour ont minutes été de jeu vont détruits dans être très drôles. l'explosion. Le pipeline est touché, mais il reste stable. Vous trouverez des bottes de propulsion dans le hangar de maintenance. Utilisez-les pour traverser le pipeline. Ouais, c'est ça, ok, CF. Ah merde! Ah oui! La grenade, c'est ça, d'accord, ok. Truc que j'utilise jamais. Et vous me dites si c'est trop sombre. Parce que la dernière fois, finalement, j'avais augmenté la luminosité, c'était pas mal. Et moi, j'aime bien de jouer en mode survival horror dans le nord. Donc c'est... Ah merde! Première mort! Qui c'est le con qui a mis un trou? C'est trop sombre, j'aurais été sûr de dire ça. Attends, je vais regarder. Les Parce qu'ils m'ont points peut-être remis d'accès principaux de la des trucs tour par ont défaut, été ce que détruits dans l'explosion. je trouve assez sombre. Le pipeline est touché, mais il reste... Salut Korak. Bienvenue sur le stream low cost, Korak. Tu vas pas le regretter. Non, non, on compte pas, non, on compte pas, on n'a rien vu. On repart à zéro après. Gamma. Putain, mais après c'est rose quoi. Stable. Vous trouverez... Waouh, on voit trop bien. Non, c'est abusé. Je vais baisser un peu. Non, c'est abusé. C'est abusé, il n'y a plus d'ambiance là. Et je le mets à 1. Non, je vais pas me mettre en mode Des LT. bottes de propulsion dans le hangar de maintenance. Utilisez-les pour Ouais, le traverser le ratio, il est pas mal, pipeline. hein. Alors, j'ai quoi? Fusil à pompe. J'ai mis... Ah oui, mitraillette snipe. Et j'ai un truc bizarre. Oh putain, ça va être full clou. Hein. Là, je reprends, mais alors ma partie en plein cours. Cinquième niveau. Oh, c'est vrai, je venais d'avoir le lance-roquette. Reste au shotgun normal qui est déjà puissant. What? Présente une sorte. What? Non! C'est la première fois que je les vois! T'es sérieux? Wouh! Ça va pas, mais je suis en pleine panique là. En plus, il y a un gros lore. Ok, d'accord. Et on y va. Casse-toi! Inculé! Bon, le bunny jump, ça va, j'ai pas oublié. Alors, j'ai pas encore testé le... Oh, enculé! J'ai pas encore testé le lance-patate. Ouais, pas mal. Tiens! On l'a pété. Excellent. Fin du verrouillage. Voilà. On court partout, on tire dans le tas et ça marche. Oh mais pas de problème, Korak. Y'a pas de sous-seuil. Vous avez rigolé parce que je sais pas jouer. Alors,
là, il y a un truc démoniaque là-haut, mais je peux pas le choper tout de suite, hein, à mon avis. Je fais pas le double jump, hein. Oh ! Comment on fait ça, déjà ? Ah, sans déconner, je sais plus. C'est vrai que là, par contre, le plasma gun, je sais plus utiliser. Comment je vais y aller, moi ? Voilà. Donc on va mettre une arme dont je suis à peu près sûr, le shotgun normal. Ah putain, comment on se baisse dans le jeu? Ah, comme ça, ok. Vous allez voir aussi me voir lancer des grenades, y'a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je suis pas triso, c'est que je sais plus comment on y joue. Salut Nocturna. Je vais t'appeler Nocturna. C'est ça. Y'a rien ici, y'a que ça. C'est l'arnaque. Achevé en 2127 et inspiré d'un prototype développé par... Alors, réfléchissons. On peut passer par là, non? On peut passer par là. Pas du tout. Comment j'ai monté moi? C'est chelou, dès le début là. Ça, c'est pas un ascenseur ça? Et carré et l'un rond triangle rond croix, ça devrait t'aider. Ouais, mais le problème c'est qu'on est plus sur PlayStation 1. L'énergie argent, une vie dédiée à la cause. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça que je devais. Ah, c'est le double jump. Oh, oh. Orgasme. Double jump. Oh oui. Alors attendez. Ça sent la cascade foireuse. C'est ouf les mecs qui mettent du platformer comme ça dans un Doom quoi. Bon après en même temps c'est la 3D qui oblige ça. Par contre après là c'est la merde là la map. Alors par contre je kiffe la musique. C'est vrai qu'ils ont fait un super boulot sur la musique dans Doom. C'est vraiment comme le premier hein. Truc au bout là-bas, non? On revient juste là. Ce qu'il veut dire, c'est ça là. Ah, il y a bien un secret ici. Ah, en plus, j'aurais regretté en plus de pas le trouver celui-là. Yeah! Alors. Je sais plus comment il est stats, bah il va me proposer, cool. Alors oui, j'ai mis à fond sur la santé, c'est ça. Et bah, tu sais quoi? Alors on a fini la barre de santé. Non, c'est bien parce que moi avec la santé, je peux aller au CAC, faire n'importe quoi. En ultra-violence, ça c'est drôle quoi. 200 PV. Et par contre, si je me bloque... Eh! Le jeu!
Il a fait me faire. Je vais soft locker le jeu. On peut pas le prendre. Ah, c'est pour la tronçonneuse. Ah, je sais plus comment on la sort la tronçonneuse. Attendez. Comment on sort la tronçonneuse déjà? Oh là là, je sais plus. Attendez. Comment on sort la tronçonneuse déjà? C'est pas un bouton spécial? Bon, attendez les gens. Faut que je me rappelle comment je sors ma tronçonneuse parce que ça va pas le faire. Il y a de l'essence et je peux pas faire la tronçonneuse, là ça va pas le faire. C'est G? Ah ouais, ok. Un point pour Korak. C'est bien joué. De toute façon, en plus j'ai 3 dedans. Donc le premier connard qui vient, il se la prend dans la gueule. Oh, c'est ce niveau de plateforme dégueulasse. Tu dis dégueulasse, en fait non, il est bien, hein, mais vu que c'est Doom, c'est dégueulasse. Merde. Oh, c'était pas cool ça. Oh le con. Je t'ai entendu, salopard, t'es où? Y'a un connard qui s'amuse au-dessus de moi. Ouais. C'est le peur. Putain, j'ai plus jeté moi. En fait, il monte le chemin. C'est con. J'ai dit ça car tu as plus tard le gros gun vert qui sera. Ah oui. J'ai oublié ce petit gun. Qui fait des dégâts collatéraux, je sais jamais le nom parce qu'il a un nom à la con. C'est le nom, tu sais, de sortie de d'industrie. Sans déconner. Comment je passe en face là? Aïe, on va passer par dessus parce que sinon. On va avoir du mal sinon. Ah je sais pas, c'est là-bas la suite? Ouais ça a l'air. Restez par là. Parce qu'il y a un niveau surélevé là. Je sais pas trop comment on y va. On va essayer de découvrir tout ça. Sur le côté déjà. Trop calme, je trouve. J'aime pas ça. Ça va? Oh, ça va pas? C'est le pas? Tous les points que je viens de gagner là. Rends-moi mes PV, enfoiré.
Ah non, pas eux. Je les déteste. Ah, c'est comme ça qu'on s'en débarrasse. J'ai toujours un problème psychologique contre eux, là. À chaque fois, ils me renvoient mes tirs et j'explose contre eux. Merde. Tiens, ta face. Y'a pas eu venir celle-là, hein. Enculé. C'est le jeu qui me rend vénère, quoi. Alors... Ah oui, du coup j'étais sur mes deuxièmes trucs. Ah, j'ai rien compris. Attends, lance rocket, j'ai un truc à rafale. Ah oui, je maintiens 3. Ça verrouille une cible. D'accord. Et après, je crois qu'il y avait pas un truc multi-cible. Ah non, c'est plus tard. Faudrait que j'améliore mes armes. Alors, ça c'était une tactique. Alors, tu maintiens droit, le module d'armes charge des micro-missiles. Je suis pas trop fan pour eux. Je kiffe pas trop. Alors, ça, j'ai pas trop compris l'onde thermique. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de le faire et ça marchait pas très bien. Tu me conseilles les micro-missiles là ? Ouais, bah tu m'étonnes que c'est cheaté, surtout sur une arme d'assaut quoi. C'est... Non, je préfère avoir le snipe, c'est bien. Au moins j'ai une arme de snipe, même si c'est pas très doom, mais bon. J'ai une arme de snipe. Alors on va essayer celui-là alors. Grenade paralysante. Ouais, je sens que c'est de la merde. Enfin, après je peux le débloquer, mais je le mettrai pas en fait. Enfin, en tout cas, je le testerai en dernier. Je vais rester sur la lunette tactique en premier. Alors c'est quoi ça? Ça électrifie les ennemis, d'accord. Ça c'était quoi? Maintenant là-dessus. Ah, ça fait exploser la roquette en plein vol. Ah, ça je trouve ça marrant. Mais c'est un peu chaud. On va essayer les grenades paralysantes. Non, attends. J'aime bien la patate. Le non-respect. Alors par contre, je sais plus comment on change les modules. Ah oui, ça c'est un mini-menu. Ah, c'est pas mal ça aussi. Tu vois, utiliser. Ici. Je me rappelle plus trop les symboles. Une armure? Genre en hauteur? Non, c'était pas ici. Là, j'ai tapé dans mon clavier avec la souris. C'est-à-dire que je l'ai ramassé ou je l'ai pas ramassé ça? Des fois je me pose des questions existentielles. Je pense que je l'ai ramassé. R pour changer. Voilà. Ah, vous êtes mon anti-sèche. Oui. Merci. Donc, je reste sur mon shotgun explosif, ok. Alors. Justement, j'ai rien pris sur ça. Alors, lance-roquette. Lance-roquette, c'est déjà chargé. D'où on passe ma gun. Passe ma gun. Ok. Alors, je sais pas si j'aurai l'occasion de revenir pour chercher le fuel. Je pense pas. Par contre, comment on va en face là? C'est quand même mystique pour aller là-bas. Oh le con. Ah
j'aurais bien essayé d'aller là-haut. Il y a un ponton. What? Et j'y étais pas. Que dans le 3. Tu parles de Doom 3? Non, on peut pas, hein. Non, c'est un peu. Ah oui, Nico, oui, c'est. Niro, pardon. Niro. 13005, salut. Oui, c'est Doom. Donc ça bourre. Ça bourre dans tous les sens. Alors j'avais quoi? J'avais un, ok, ouais. Je voulais juste vérifier un peu ce que j'avais. Et j'avais rien du tout sur ça. Ouais, je les note. Est-ce que j'avais pas des trucs à faire là? C'est vrai, les trucs ultimes là. Donc non, tir fragmenté, ça, je crois que ça se développe tout seul du coup, c'est ça. Ouais. Non, j'étais en train de faire ce flingue là. Ah, effectuer 50 tirs mortels à la tête à l'aide de la lunette tactique. Ok. Alors on va forcer. On va dépenser tout d'abord le fusil d'assaut. Okay, j'étais en train de faire cette arme là pour avoir la compétence ultime de l'arme. Oula. Calme-toi, Doomguy. Ok. Alors. Ouais, je pense qu'il y a un secret en. Alors, soit c'est la suite, soit. C'est... Non, c'est plutôt la suite en face, j'ai l'impression. Mais il y a un secret. Ah bah non, je l'ai fait. C'est bon. Mais alors, il y a peut-être d'autres secrets que j'ai. Que je vais zapper par contre. Ça, c'est sûr et certain de toute façon. Par contre, je vais essayer de trouver. Si je peux trouver tout de suite le niveau classique Doom, ce serait cool. Il est parti en bas, il est parti en haut, j'ai l'impression. Oh, elle pense. C'est la terroriste. Elle va essayer de l'utiliser pour ouvrir elle-même un portail vers l'enfer. La tour argent n'est pas fonctionnelle, mais la connexion vers leur dimension est toujours viable. Nous courons un grand danger, Dr. Hayden. C'est blindé. Merde. Du coup, j'ai peut-être pas continué par là vu que c'est la suite. Je me suis bidouillé. Je voulais descendre avant. À juste titre. En blanc, t'as pas récup. Ah merde! Donc il vient d'un mur que j'ai pas récup. Bah c'était ça, c'était orange. Là j'ai un niveau prétorien, ok. Un préator. J'ai envie de dire prétorien comme les aliens. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y aurait que ça. Parce qu'après ça paraît... Y a un truc là-dessous là? Non. Rien là-dessous. Putain, alors si je me gourde le bouton, ça va pas le faire. Non le con! Non, le con! What? Alors, je crois que je suis mort. Je suis pas sûr. Et je crois que je suis tombé dans un trou. Attendez. On va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. Je peux pas faire un double saut sur le côté comme ça. Là. Genre comme ça. Deuxième mort. La gravité a gagné. Bah, je pense qu'il va me remettre en face de l'autre cochon là. Du coup, est-ce qu'il faut que j'aille chercher le secret là? Non, ça indique que je l'ai déjà. Ouais, je vérifie quand même de loin. Ouais, ça me... Comme je trouvais cool, la cinématique, je vous la remets. La tour argent n'est pas fonctionnelle, mais la connexion vers leur dimension est toujours viable. Nous courons un grand danger, Dr. Hayden.
Bonjour et bienvenue à l'USC, propriétaire du système de filtrage de l'énergie argent. Je l'avais déjà celui-là. Développé par le docteur Olivia Pease. Nous seuls disposons de cette technologie capable de convertir l'énergie de l'enfer en énergie argent pure et maîtrisée. Depuis notre propre argent, elle alimente cette station et garantit au foyer de la Terre. Quoi ça? Oh, je suis en mode invincible là. Ah quoi, dommage. Oh là là, excellent. Oh les salopes là, ouais. Bim. Tiens, tu t'es mort toi. Bouh. Oh les dégâts. Le con. Le quad dommage m'a fait faire n'importe quoi. Ouais, j'ai vu, il faut 4 damage. J'ai regardé après, je me disais, merde, c'est quoi ce truc là? C'est la première fois que j'avais l'item. Allez, maintenant, Bruin. C'est pas vrai ça. Ah, t'as grimpé au mur là! Oh le con! Le con! Le con! C'est n'importe quoi ce combat! Et où t'allais? Où tu t'enfiles là? Bizarrement, je crois que c'est pas la bonne arme. Contre eux. Ah, je les déteste cela. Je maîtrise pas encore les combats contre les sorcières qui volent là. Salut CC. Ou ce ou que. Tu me corriges. Bienvenue sur le stream low cost. Alors, oh, ce n'est bien tiré finalement. J'ai plus de munitions, mais sinon ça va. Faut pas que j'oublie, j'ai aussi ma tronçonneuse. Il y a encore l'ombre. Ah non, c'est les jeux de lumière. Je crois qu'il y avait encore l'ombre violette du quadre dommage. Ok, alors. On avance, mais comment? Par là, tout simplement. T'as un truc au-dessus là?
Ah, le plasma paralyse. D'accord, ok. Faudrait que je teste. Je sais pas si j'y vais d'ailleurs. C'est les ondes là. Ah, la grenade paralysante. Ok. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je dois courir là-dedans? Ou je dois monter? Enfin, je pense pas que je puisse monter là-dessus. C'est chaud? Ils ont pas l'air d'avancer, ok. Et comment le mec il rentre dans le générateur pendant la tour? Ouais, je pense que c'est celui-là. Salut le double! On va rester sur le fusil d'assaut, comme ça j'aurai ma maîtrise. Là, je croyais le double que t'allais jouer à la Saturne, j'ai vu que t'as lancé un petit stream et après t'as arrêté. T'as fait un petit test, c'est ça? Il faut remonter là-haut là, vache. Il faut remonter que à l'arrache là. On va tester un petit peu par là. C'est mon sweat. Oula, ça c'est le non-retour ça. Tu peux y aller direct. Il y a quoi là-dedans? Ouais, ça me fait descendre direct et après je reviens pas là. Aurait mieux que j'aille chercher la petite poupée de Doom Guy là. On va être là-haut. Ok. Ça a l'air costaud là après. Toute la force de chaîne. Ah, c'est cool ça. Ah bah le double, si tu joues à Shining Force, je viendrai te voir parce que j'hésitais à me l'acheter carrément, tu vois. Essayer de le récupérer en vrai, mais il coûte un peu cher. Je t'avouerai. Et en plus, le problème, c'est que Shining Force 3, t'as que la première partie qui est sortie en américain, et après, c'est en Japon. Les scénarios 2 et 3. Si tu veux la fin du jeu... Ah bon, il est pas facile? La main dans le slip. Non, moi, ce qui est chaud, c'est les combats là. Ouah, non! Oh non, pas les gros lards. Oups. Alors, je sens que mon flingue va servir à rien. On va y aller dans ce rocket. Oh yeah! Oh yeah, bitch! Oh, il a pété! Bon, au moins, lui, il est mort. Il y a un truc dans mon dos. C'est lui. Ça veut pas.
plus d'autres. Oh putain. Non. Bah tiens, prends. Tu bouffes pour les autres. Tiens. Pour tous ceux qui m'ont cassé les couilles là. C'est une blague là, je suis entre deux. Wow, lance-flamme, what? Sans déconner. Ils ont putain calme. Oh le code de match, je viens de le voir. Oh le code de match, headshot. Tiens, pas de respect au petit flingue. What? Ah le con, c'est un ennemi, tellement je vois des ennemis partout. Yo. Merde, j'ai plus rien. Bon bah j'ai plus rien. Oh il résiste. On fout 5. Non, meurs. Merci. Ouf. Oh le con. Mais intrusion comme un infirme. Fin du verrouillage. Non, c'est pas vrai, monsieur. Je tire pas au pif.